Léopold Tron est un petit personnage qui fait son entrée dans la littérature jeunesse aux éditions Fou Lire. Léopold Tron est un personnage grand comme ça, qui a deux amis, Charlie et Max. Et ils vont vivre tous les trois des histoires extraordinaires, paranormales, étranges et assez drôles. Ils vivent dans une petite ville, la ville de Perdu, et c'est un coin perdu. Et dans la première aventure, ils vont rencontrer des êtres étranges qui sont des végézombies, une sorte de zombie qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est toujours un monde assez étrange. On se demande toujours est-ce que c'est les dessins qui viennent avant le texte? Eh bien non, c'est toujours le texte qui vient avant les dessins. Alors, sauf pour Léon. Quand j'ai commencé à griffonner Léon, c'était des petits graffitis comme ça au téléphone. J'ai trouvé un personnage que j'aimais bien. Je lui ai donné le nom de Léon et je me suis dit pourquoi ne pas lui écrire des aventures.